suis la directrice de maison de mode Lille Roubaix. On est à la nuit des soldes et je regarde Channels TV. Alors, maison de mode, c'est en fait un projet avec plusieurs missions. On a pour première mission ce qui est de développer des entreprises de mode, que ce soit des textiles, des marques textiles, des accessoires marques Ivy. Et ça, ça veut dire que voilà, des créateurs souhaitant développer leur marque viennent chez nous, il y a un comité de sélection, ils intègrent le projet, dépendant de où ils en sont dans le développement de leur business, où ils intègrent un box ici au jardin de mode, où ils intègrent une boutique à l'île sud ou à Roubaix. Et nous, on les aide à développer leur business. On a aussi comme but, c'est pas un hasard qu'on est à l'île sud et à Roubaix, on est lié à un projet de réhabilitation urbaine. Alors l'idée aussi, c'est d'aider à rénover deux quartiers. Et on fait ça par notre présence, mais aussi en faisant des événements, en travaillant avec les commerçants du quartier, avec les habitants du quartier, en faisant aussi des événements, des animations. Et puis aussi, il y a le but de créer une certaine mouvance créative dans la région. Et ça, on fait avec nos événements, que ce soit le marché des modes deux fois par an à Roubaix. Les 48 heures maison de mode qu'on fait à la gare Saint-Sauveur, on sera sur la 3e édition en septembre. Et puis ici, la nuit des soldes, deux fois par an. Une semaine après le lancement officiel des soldes, on fait toujours nos petites soirées, mais des soldes un peu plus fun. À partir de 19h, avec de la musique, un petit bar, et puis aussi ça réunit... Ça permet d'avoir un peu tous nos créateurs sous le même toit parce que là vous allez trouver les créateurs qui sont basés à Lille et ceux qui sont basés à Roubaix aussi. Et quand on a un peu de place, eh ben, on ouvre aussi à des autres jeunes créateurs de la région. Ben là on va voir, mais ça je vais pas vous dire. Bon, on pourra pas faire quelque chose dans le jardin parce que là ça sera les soldes d'hiver. Et puis en 2012, en fait, c'est vrai, on va avoir la 10e nuit des soldes et puis ça fera les 10 ans du marché des modes. Et là, le 20e marché des modes à Roubaix, alors c'est une grande année, on a plein de surprises. Channels TV, ça divertit et c'est déjà pas mal.